Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a arrosé consécutivement la fête des grands-mères dimanche, la journée de la femme hier, c'est vous dire dans quel état elle est, Chantal Latsou. Une grosse tête qui sait cacher sa joie de gagner au poker, mais pas quand elle est sur RTL. Caroline Diamant. Une grosse tête qui se fait rare au 7e art comme au 7e ciel. Isabelle Mergaud. Une grosse tête qui reste un enfoiré, même s'il n'y était pas vendredi soir, Gérard Jugnot. Une grosse tête cofondateur du Gorafi, à qui on doit cette information. Une cantine marseillaise va expérimenter des menus sans nourriture. Pablo Mira. Et une grosse tête, à cause de qui, depuis qu'il a pris sa retraite de steward, on rit moins dans les avions, mais plus à la radio. Jean-Phi Janser. Ah, ça fait plaisir, on a un peu de public revenu aujourd'hui. Ah, c'est bien. Mon public, c'est quoi le public, en fait? Pardon? C'est quoi le public? C'est quoi le public? Bah, c'est des gens, le public. Ah, voilà, on a oublié. Des gens qu'on met dans le noir et qui font du bruit. C'est des gens qui viennent de la maison, qui par solidarité sont venus nous applaudir. Et on payait 100 euros par rire. Et vous voulez que je vous dise, c'est nous qui vous applaudissons. Voilà, voilà. Ça fait plaisir. Excusez-moi, j'ai mon micro qui bande de travers. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon micro qui bande de travers. Ouais, donc, ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, parfois, regardez, il va vers la droite. Oui. Ça arrive avec des zizi. Mais quand il faut qu'il fasse zizi. Mais qu'est-ce qu'il y a avec votre micro? Tout ça parce que je vous ai changé de côté. Alors pas du tout, mais regardez, je vise bien, je le mets au niveau du nez. Oui, oui. Et plus je parle, plus il va vers Jean-Philippe. Si tu mets le nez droit, pose-toi des vraies questions et lave-toi les dents. Quand allez-vous, Chantal, là-dessous, alors? Je suis un peu fatiguée après ce week-end. Ah ben voilà, la fête des grands-mères dimanche. 5 enfants sur les bras, quand même. J'avais un petit vomi, mon pauvre père sentait mauvais. Enfin, c'était sympa. J'espère que ce sont vos petits-enfants qui vomissent, et pas vos enfants. Ouais, c'est vrai. À 45 ans, il vomit 60 ans. 5 enfants sur les bras. Elle a des enfants, ils ont 62 ans. Non, ce sont vos petits-enfants, oui, ces arrières. Je les ai emmenés au jardin d'enfants. Ah oui. Et je suis resté coincé dans le toboggan, les dents. Expliquez. Eh ben, c'est-à-dire que j'ai pris le toboggan, il était un peu étroit parce qu'ils sont tout petits, et je suis resté coincé. C'est normal, avec les rides, ça glisse plus. Bon, Chantal, quand même, racontez-moi vos petits-enfants, quel âge ils ont vraiment? Alors, 5 ans, 3 ans, 1 mois. Ah oui, oh, ah, ça fait que 3. Et 6 mois de l'autre côté. Et vous les avez tous ramenés du jardin d'acclimatation? Non, vous en avez perdu un, mais on l'a trouvé. J'en ai trouvé 4 là, moi. Il y avait scooté. Oui, bah oui, t'en as cité que 4 hein, dans les arbres. Si, Gabriel, Georges, Gabriel, Magdalena et Léopoldine et Hugues. À mon avis, elle invente les prénoms parce qu'elle s'en souvient pas. Une première citation pour Samuel Delaroche, qui habite la Beaucène, c'est en Ille-et-Vilaine, qui a dit: ah, que les hommes ont donc la mémoire courte. Et se peut-il qu'en devenant des pères, ils oublient aussitôt qu'ils ont été des fils? Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Ça nous la met de bonne humeur, on peut y aller. Vous savez quoi? Une citation masculine pour Laurent Striana, qui habite en Australie, qui a dit: si vous arrêtez de fumer, de boire et de faire l'amour, vous ne vivrez pas plus longtemps, mais ça vous paraîtra plus long. Oh, c'est un boulot. Jean-Yann, bonne réponse de Gérard Jugnot. Plus difficile, la citation suivante pour Brigitte David, qui habite Noyal-Châtillon-sur-Sèche, en Ille-et-Vilaine, qui a dit: si la vie était juste, Elvis Presley serait encore en vie et tous ses sosies seraient morts. Philippe Manœuvre? Non. Français? Alors, c'est pas français. Américain? Américain. Un chanteur? Alors, c'est Jerry Seinfeld. Non, c'est un prédécesseur de Jerry Alors, Seinfeld. Alors, c'est Steven Wright. Dean Martin? Non. Alors, c'est... C'est Michael Preston. Non, Steve Martin. Bob Hope. Steve Martin. William Schlupfen. George Burns. Non, mais ça fait saigner des oreilles, Isabelle. Bob Hope. Peter Reich. Non, écoutez, c'était... c'est des vrais noms que je dis, Colin. Mais moi aussi, pas. C'est pas Jerry Spring. Je ne sais pas, c'est qu'à la police, il y a pas de cas, là, déjà. Alors, qu'est-ce que
vous avez toutes les deux. Mais non, parce que moi je dis des vrais noms et l'autre appelle. Ah, one girl, one girl. Mais non, là, mais je n'ai pas un accent comme toi. Mais au moins, moi je ne fais pas fuir les micros. C'est terrible. Le micro dedans, il reste. Tu sais dire que Sacha Guitry. Et mal. Mais qu'est-ce que vous avez là? Fallait pas les mettre à côté. Hein. Un humoriste, je peux revenir à ma citation. C'est un humoriste et animateur de télévision. Jerry Springer. Non. Johnny Carson. Johnny Carson, Carson. Bonne réponse. Johnny Carson, bonne réponse de Pablo Mira. Qu'est-ce qu'il a dit, au fait? Johnny Carson. Ah, il aurait bien valu que les sosies d'Elvis soient morts et qu'Elvis soit en vie. C'est vrai pour tous les sosies, d'ailleurs. Vous avez eu votre sosie, vous, oui, Gérard. Oui. Il est toujours en vie, votre sosie? Oui, il a grand port. Moi, je ne me plus. Vous l'avez rencontré, déjà? Bah oui, c'est moi qui l'avais trouvé. Ah oui. Et à l'époque, il n'y avait pas de numérique, je voulais faire... Mais il faisait les supermarchés et tout. Mais je te comprends. Mais qu'est-ce qui me garantit que ce n'est pas lui que j'ai aujourd'hui? L'avantage, c'est qu'il n'était pas très bon acteur. C'était pas un acteur. Et surtout, il avait un défaut de prononciation, ce qui m'a sauvé. Quelle horreur. Jamais ici. Et ça pas comme ça. Non. Pour Guy Caletti, qui habite Rémy, en Moselle, qui a dit « Même l'avenir n'est plus ce qu'il était ». C'est très joli. Et là, on revient à quelque chose de français, un philosophe, un poète. Cocteau. Pascal. Cocteau, Pascal, non. Siècle. Quelle époque? Alors, né en 1871, mort en 45. Chamfort. Chamfort, non. Il a écrit des pièces de théâtre? Des pièces de théâtre, non. Des poèmes. Laurent, il est surtout connu pour les poèmes ou pour la philosophie? Alors, plus pour les poèmes, un peu pour la philosophie aussi. Ah bah oui, mais c'est pareil. Il a été aussi critique, journaliste. Il a une particule, Gérard de Nerval? Ah non, non, non. Maurice Maeterlinck. Ah non, non plus, non, non. D'abord, j'aurais dit qu'il était belge dans ce cas-là, voyez-vous. Il est mort à cause de la guerre? Oui, en 45. C'est con, il est mort parce qu'il a... Non, il est mort à cause du Covid. Est-ce qu'on a appris des récitations de lui? Ah oui, oui, bien sûr. Émile Verhaeren. Et c'est un des plus connus, et je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas encore cité, voyez-vous. Et Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Un philosophe. Même l'avenir n'est plus ce qu'il était. Vous voyez que c'est joli. Si je vous dis sa ville natale, vous allez tout de suite me dire de qui il s'agit. Hein. Ah bah, alors là, je vous mets au défi, moi. Alors, ouais, il est né à 7. Et bien, c'est Brassens. Mais non. Paul Valéry. Paul Valéry. Paul Valéry. Paul Valéry. Bonne réponse. Heureusement. Excusez-moi, pour moi, c'est pas un philosophe. J'ai jamais entendu Paul Valéry, ce grand philosophe. J'ai dit surtout poète, si vous avez oui, écouté. Oui, non, non, d'accord. Mais je ne parle pas de vous, je parle en règle générale, comme comment ça. Comment ça, vous parlez pas de moi? Non, non, je parle mais pas. Mais qui de anime vous. Cette émission, alors? J'ai jamais entendu qu'il était un philosophe. J'enchaîne pour Stéphanie Vanès, qui habite Blanc-Coteau. On laisse même pas Isabelle chanter non, un petit Brassens. Non, c'est pas la peine. Ah, si, si. Non, non, je veux pas, non. Mais si, non, on s'en va avec tous mouchés. Quand je l'ai dit... Oh, putain, il y a trop de choses. Quand je l'ai dit... Même le micro commence à crier tellement il a mal. Que Valérie n'était pas un philosophe, alors vous pouvez vraiment vous toucher pour que je l'ai mis de Brassens. Ça va, moi, je garde. Eh ben, je me touche. Vas-y, c'est bon. Quel geste obscène vous venez d'avoir. Il n'y a que des branleurs ici. Pour Stéphanie Vanès, qui habite Blanc-Coteau dans la Marne, qui a dit « Si Dieu existe, ça le regarde ». Ah, c'est un humoriste. C'est joli, avoué. Ce n'est pas un humoriste, mais c'est non, quelqu'un qui avait de l'humour. Il est mort. Il n'est pas français. Il est mort en 93 et il n'est pas français. Non, c'est pas anglais. Pas de français. Anglais, non. Non, d'un Amérique. Si Dieu existe, je vais essayer de vous faire deviner. Avec l'accent. J'adore. Je ne sais pas si c'est un moment très gênant. Regardez le don d'imitateur. Si Dieu existe, ça les regarde, mamma mia. Il est italien. Il est italien. Mastroianni? Mastroianni, non. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec Marcello Mastroianni. Fellini. Fellini, Federico Fellini. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, une question très difficile pour Philippe Point, qui habite Azy-sur-Marne. Je vais vous demander le nom de celui qui fut assassiné. Le 20 juin 1944, un avocat, homme politique français, ministre de l'Éducation nationale et particulièrement même des Beaux-Arts. Normalement, vous connaissez tous son nom. Quel est cet homme, avocat politique, Jean Zay? Excellente réponse de Gérard Jugnot. Ça, c'est bien, mon petit Gérard, voyez. On va voir si vous êtes aussi fort pour la question suivante, pour Gilles. Oui, c'était le mari de Beyoncé à un moment donné. Pas du tout. Non, c'est Jay-Z.
mon Dieu. J'ai mis 3 secondes pour voir. Ah non, Jean Zay et Jay-Z, ça n'a rien à voir. D'accord. Et il y a Jésus aussi. Il y a Michel Jazzy aussi. C'est vrai que si on apprend. Alors écoutez, on peut essayer un jeu, hein, Chantal. Oui. Dans une pièce, il y a Michel Jazzy. Il y a Jay-Z. Il y a Jean Zay. Il y a Zazie. Il y a Zizou. Qui est l'athlète, le champion d'athlétisme parmi tout ça? Michel Jazzy. Bravo, Chantal. Wow, voyez, elle progresse. Hein. Il courait très vite. Pardon. Il courait très vite. Oui, Michel, c'est le principe d'un mec qui fait de l'athlétisme. Oui. Une autre question. Oui, si vous voulez, j'ai une autre question. À la portée de tout le monde. Hein, même de Jean-Fille. Jean-Fille nous a quand même trouvé Paul Valéry. C'est pas faux. Moi, si je progresse, si tu crois. Il a dû aller au collège là-bas. Non, c'est parce que j'ai vécu à 7 et donc tout s'appelle Paul Valéry. Mais non, il a connu son frère François. Vous avez vécu à 7, oui, ça faisait du monde à la maison. C'est le nom d'une série, ça, à la maison. Il venait de 3. On fit 4. Et alors? J'habitais à 7, j'avais des magasins de fringues là-bas. J'avais ouvert un. Pas que c'était à ça. Avec un de mes premiers pieds. Il y a tout ce qu'on a tête à celui qui t'a fait. Celui qui vous a spoilé. Il m'a spoilé, c'est ça. T'as ruiné. On avait ouvert une boutique de prêt à porter féminin. Comment ça s'appelait? Ah, ça s'appelait H-Couture. H-Couture? Pourquoi H-Couture? Parce qu'il fallait qu'on ait un quart. Il faisait des belles mains. Non, je vendais des robes et des tailleurs, surtout pour les communions, les mariages, tout ça. Et j'avais trouvé un concept, figurez-vous. Pour toute cliente qui achetait sa tenue chez moi, je lui offrais le chapeau et le sac qu'elle avait avec la tenue. Je peux dire que ça ramenait du monde. C'est dommage que vous n'ayez plus la pratique parce que vous auriez passé sur M6 par exemple hier soir dans Marie au premier regard. Vous savez, quand la mère, elle va chercher sa robe de mariée avec sa fille. J'ai regardé, j'ai vu ça hier soir, j'ai adoré. Ah bon? Ah ouais. Alors la mère, elle arrive dans une robe de mariée, elle est boudinée. Il y a tout qui sort de tous les côtés. L'image de vague. Et là, il y a la fille qui fait... peut-être qu'il va falloir que tu maigrisses, que lui dit la fille. Mais non, mais moi j'ai remarqué ça. C'est les femmes qui venaient dans ma boutique, qui font un petit 36-38, elles mettaient une robe fourreau, tu vois, ajustée, elles trouvaient des complexes, elles disaient non, on va trop mélange, machin. Et c'est la même, la femme qui faisait du 48 qui rentrait, qui mettait la même robe, que ça boudinait partout, elle disait je suis bien, ça m'a assis. Et qui faisait quoi dans la boutique? Vous et votre copain faisiez quoi? Ah non, lui il était pas là, lui il avait une boutique à Montpellier. Moi je tenais celle de 7, on avait deux boutiques, c'était une multinationale. Ah, ça fait loin pour se retrouver, dites donc. On se retrouvait le soir à la maison, oui. Ah oui, quand même. Et qui faisait quoi? Enfin, je veux dire... Dans le lit, vous voulez dire? Non, j'ai jamais demandé ça. Pour Gilles Mahay, qui habite en Gerville, la campagne, c'est dans l'heure. Pouvez-vous retrouver ce métal rouge, connu sous le nom d'ailleurs de cuivre rouge, que l'on mélange avec la calamine pour faire le cuivre jaune, et avec l'étain pour faire du bronze ou de la fonte? Le laiton? Le laiton, non. Si je vous en parle, c'est parce qu'évidemment... Ce mot est dans l'actualité aujourd'hui. Et alors, laiton, c'était pas con parce que les laitons vont chanter à l'Eurovision. Ah, bah ouais, c'est vrai, mais d'ailleurs, avec Isabelle Mergaux, je vous rappelle que nous sommes allés en Lettonie. C'était en Lettonie. Ah oui, vous êtes allés à Riga pour commenter l'Eurovision de la chanson. Absolument. Vous vous souvenez pas, Isabelle? C'était beau à Riga. On a aucune idée. C'est très joli. Il y avait beaucoup de salons de thé avec des myopathes. C'est les salons de thé laiton. Vous aviez pris la même en chambre d'hôtel? Bah non, on avait chacun sa chambre quand même. En revanche, on avait le même lit. Ça nous donne pas le métal, ça, quand même. Le cobalt. Je tente le cobalt. Cobalt, non. Ça y est, j'ai compris. Ça. Mesdames et messieurs, l'artiste. Ça a rapport avec le sport? Du tout. Et voilà. Ça a rapport avec Meghan Markle? Oui, absolument. Ah, mais c'est les roux, le rouquin. Ah non. C'est d'un rouxophobie, ça. Mais non, mais il est roux. C'est vrai que le métal connu sous le nom de cuivre rouge, c'est le roucmout. Et les radiateurs en roucmout, mais alors. Il retient la chaleur, c'est génial. Moi, j'ai fait fondre du roucmout à la maison. C'est le prénom d'un enfant. Vous n'êtes pas un peu roucmout? À la fois insultant et vrai. C'est que la marque rouge. C'est pas grave, moi je suis désolé parce que Harry, je le trouve très très beau. Et Henry Stone, il est plus beau que son frère. C'est vrai. Au début, frère était plus beau et maintenant il a perdu ses cheveux. William, c'est une poire pour la soif. Ce métal, est-ce que c'est ce en quoi sont fabriqués les chapeaux? Je suis tellement content qu'il y ait du public aujourd'hui. Non, non, c'est pas possible.
On aurait dit Guilux. Eh oui, cocotte. Eh oui, Monique. Alors, je vous rappelle la question. La question est toute simple. Quel est ce métal rouge connu sous le nom de cuivre rouge que l'on mélange avec de la calamine et qui n'est pas le roukmout? L'orcharde, non. Bah, acier. Acier non plus. C'est vous qui êtes acier. Non mais écoutez, c'est pourtant simple. Hein. Tout le monde connaît ce métal et c'est vrai qu'il revient. C'est un métal dont on connaît la dureté, voyez-vous. C'est de la dureté. Les reins. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ça vous a rappelé les vôtres, peut-être. Les reins, effectivement, parce que vous étiez tombé sur les reins. Je me souviens, à la patinoire, on était en déplacement, vous aviez eu mal quand même. Ah, bah je m'étais pété le coccyx, vous êtes gentil. Ah, bah, il va mieux votre coccyx. Ah, bah oui, on a repris les ateliers sodomie 3 mois. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous partons à Vosges, dans la Loire. Je ne connais pas Vosges. Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment on appelle les habitants de Vosges? Les Vauchois. Les Vauchois, vous êtes Vauchois, Nathanaël. Et que faites-vous dans la vie? Je suis caissier, moi. Caissier dans un magasin? Dans une grande surface. Laquelle, on peut savoir? Dans la rue. Ouais, dans la rue. Avec un L. Une grande surface avec un L. Lidl. Chez Leclerc. Leclerc. Voilà. Ben voilà, il faut le dire, caissier chez Leclerc. Faites-leur de la pub, ils en ont besoin. En tout cas, vous avez le temps d'écouter les grosses têtes, Nathanaël. On dit jamais votre nom en entier, j'imagine. Vous avez un petit nom, non? Oui, on m'appelle Nathan ou Nat. Nat. On va pas vous appeler Patrice. Hein. Nathanaël, j'espère que vous allez retrouver évidemment la bonne information parmi les fake news que vont vous donner mes camarades, ce qui vous permettrait, oui, quand même, c'est pas mal, de partir à l'hôtel Saint-Cyprien sur l'île de la Lagune, un relais château 5 étoiles, je vous rappelle. Hein, c'est pas rien, attention. L'île de la Lagune est unique. Non, c'est l'unique relais château de l'île. C'est dans les Pyrénées-Orientales. En tout cas, c'est bordé par la mer, entouré de montagnes, bercé par le doux soleil du Roussillon. Une île fleurie qui vous attend pour un nouveau voyage empreint de sérénité et de douceur de vivre. L'île de la Lagune. Plus de renseignements, Gérard, sur hôtel-île-lagune.com, puisque vous me demandez. Il est en train de réserver toute l'île là pour 6 mois. 2 piscines, dont une piscine chauffée sur le toit de l'hôtel. L'autre. Avec en plus un, comment ça s'appelle, un plongeoir qui donne directement sur le trottoir. Le restaurant L'Allemandin sera sûrement ouvert quand vous aurez la joie d'y aller, car je ne doute pas que vous allez gagner, Nathanaël. Le public, ça trouve. J'ai du mal avec votre prénom, Nat. Mais c'est pas grave. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, on commence tout de suite. Par qui on commence? On va commencer par Jean-Philippe Janssen. Meghan Markle est inquiète. Elle a vérifié l'immatriculation. La Fiat Uno garée depuis hier devant chez elle a été vue pour la dernière fois le 31 août 1997, Pont de l'Alma. Caroline Diamant. Après que le prince Harry se soit plaint de ne pas avoir l'oreille de son père, le prince Charles aurait juste déclaré vénard. Pablo Mira. Moins performant, le vaccin AstraZeneca va être rebaptisé François Bayrou. Va être, pas va être. Oui, mais j'ai des problèmes d'orthophonie. Ah bon, d'accord, savez, ok. J'ai fait 2 semaines de théâtre seulement. Dans Isabelle Mergaud. Le gouvernement continue à accélérer le rythme des vaccinations. Les vétérinaires pourront être autorisés à vacciner les personnes âgées à condition que leurs chiens les rentrent avant 18h. Gérard Jugnot. Le tunnel le plus long de Belgique, qui s'appelait tunnel Léopold II, du nom de l'ex-roi, et va désormais s'appeler tunnel Annie Cordy. Après un vote lancé sur Internet, Annie Cordy est arrivée largement en tête devant Marie Curie, Marguerite Yourcenar et Rosa Pizzone. Chantal là-dessous pour terminer. Johanna va mieux. Aucun suicide la semaine dernière. Aucune overdose prévue cette semaine. Et un stage avec Nabila qui commencera la semaine prochaine. Alors à votre avis, Nathanaël, Je crois avoir trouvé. Oui. Je penserais que ce serait Gérard Jugnot qui aurait la bonne réponse. Ah, vous y allez direct, comme ça, sans élimination. Ah, oui, parce que je veux faire de mal à personne en disant qu'ils ont les fake news. Bon, alors écoutez, chambre 32 pour l'hôtel de l'île de la Lagune, parce que c'est la bonne réponse.
Et oui, ils ont fait une enquête. C'est la région de Bruxelles, l'administration de la région bruxelloise, qui a lancé un vote sur Internet pour savoir comment on devait rebaptiser le tunnel Léopold II. Ils ont changé le nom du tunnel parce que c'est devenu une figure un peu controversée du passé colonial de la Belgique. C'est sûr que c'est controversé. Et alors ça, ils ont demandé aux Belges. Et puis les Belges, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des Marie Curie, non. Rosa Parks, non. Non. Simone Veil non plus. Manicordi. Marie Curie, non. Alors là, après, il restait Plastique Bertrand ou Annie Cordy. Ils ont dit Annie Cordy. Et il est où ce tunnel très très long ? Pardon ? Il est à quel endroit en Belgique ? Le tunnel, à Bruxelles. Bah, vous prenez la rue de la Bonne du Curé et vous tournez à gauche, rue Tatayoyo, et vous y arrivez. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Isabelle Mergault, Gérard Jugnot, Chantal Latsou, Pablo Mira et Jean-Philippe Janssen. Pour Monique Richardot-Pinon, qui habite Montoux-sur-Bièvre, dans le Loir-et-Cher, pouvez-vous retrouver le nom de celle qui, à la fin de sa vie, s'appelait Sœur Anne-Marie de la Pénitence? Et d'ailleurs, elle avait espéré mourir un soir de Noël et elle est morte à un jour près, vous voyez, le 26 décembre 1950. C'est la divine providence qui aurait exaucé son vœu. Elle avait désiré d'ailleurs que nul ne suive son cercueil. Anne-Marie Madeleine de la Pénitence était connue sous un autre nom. De qui s'agit-il ? C'est pas Miraculée de Lourdes. Non. C'est pas Martha Robin. Ah non, la dame qui n'a mangé que des hosties toute sa vie. Ouais. Vous y croyez à ça ? Pas du tout. Bah, tu peux en manger. Titoff a essayé avec les chips, on a vu ce que ça donne. Moi, j'ai jamais goûté une hostie. Ah bah, c'est chez Squatrada, wesh. C'est bon, d'accord. Vous voulez qu'on vous montre ? Imagine du papier. Ils sont fous. Ah, c'est comme le bonbon pour enfants. Oui, voilà, avec le petit truc à l'intérieur. La poudre à l'intérieur. Ça n'a pas de goût, vous voyez. Moi, je peux vous dire, parce que j'ai fait ma communion. Qui a fait sa communion ici aussi, monsieur Jean-Philippe Vallée. Le vrai problème, c'est que ça colle au palais. C'est vrai. Et donc, après, il faut prier, puis avec la langue. Ouais, c'est ça. Génial. Moi, j'aimais bien cette période du catéchisme, la retraite avant la communion. Moi aussi, j'adore. Vous aviez l'aube comme. Ah oui, j'avais une belle aube. Ah oui. Toute blanche, ah ouais, on a fait la communion avec ma sœur, on avait des grosses cierges comme ça, et puis on a l'impression que tu montrais ses mollets. Une robe et des grosses cierges. Et là, tu m'étonnes, ça a décidé de ta vie future. Et on avançait comme ça, que le cierge qui était allumé, le cierge Pascal, là, et il y avait ma sœur qui était devant, mais celui-là, j'ai enflammé ses cheveux sans faire exprès, mais bon, on a bien rigolé à l'église. Ah oui. Moi j'avais découvert. On vous offrait des couverts. Oui, j'ai rien découvert. Une timbale en argent, oui. Ah oui. Des couverts. Pourquoi d'ailleurs on offre des couverts ? Mais quelle est la symbolique ? Je l'ai toujours, ma fourchette immaculée. Ah oui, mais c'est quoi la symbolique ? Très belle. C'est la marraine qui offre les couverts. Ouais. Ah, j'ai pas eu de couverts. Mon parrain, il m'avait offert une montre. J'avais un nécessaire de voyage. C'est bien. Il y a de la symbolique sur les couverts ou c'est juste vraiment l'aspect utile ? À commencer l'aspect utile, c'est parce que comme ça, vous savez, le soir, j'ai eu un rond de serviette. J'ai eu un cotier, moi. Un essuie-main qui sentait le citron aussi. Mais c'était bien la retraite. On faisait des jeux, puis c'était pour voir l'esprit d'équipe, la solidarité entre les uns et les autres. Tu fais des belles rencontres. Une petite chambre vraiment toute simple, très. Oui, moi, on dormait à plusieurs dans ma chambre. Ah bon ? Ah, moi, j'ai qu'une seule chambre. Bon, j'ai arrêté le chrono quand même. Je le dis à l'auditrice parce que là, franchement, faut pas exagérer. Ah oui, c'était quoi la question ? Ah oui. Il y avait une émission qui était Anne-Marie de la Pénitence. Vous avez dit Anne-Marie Madeleine. Oui, Anne-Marie Madeleine de la Pénitence. Si je donne son nom en entier, voyez. Marthe Richard. Non. Est-ce que c'était une femme politique ? D'ailleurs, je vais vous dire, on la connaissait non plus sous son vrai nom. Son vrai nom au départ, c'était Anne-Marie Chassaigne. Ok, on la connaissait sous le nom de Sœur Sourire. Non. Et puis après, elle a épousé un monsieur qui s'appelait Armand Pourpre. Puis elle fut danseuse. On est à la belle époque avant de finir religieuse. La belle Otero. Elle est morte à quel âge ? Elle est morte en 1950. Mais est-ce qu'elle était âgée du coup ? Et elle avait, alors je vous fais le calcul, elle avait 81 ans. Yézadora Dacan ? Ah non, ça c'est bien. C'est une danseuse, c'était pas une danseuse. Non, puis elle dansait à Paris. Là, je vous parle de la belle époque. Elle dansait à Paris surtout. Léon Blum ? Elle a dansé à Paris, elle a épousé un aviateur, après elle a résidé à Marseille. Ensuite, et c'est vraiment, elle est aussi connue que Matahari.
Ah oui, oui, il y a des, y a ces mémoires qui sortent. Sarah là. Bernard. Mémoire d'une grande horizontale, c'est le titre du livre. Parce qu'elle a beaucoup couché, évidemment. Ah, elle c'est dégueulasse. Est-ce qu'on dirait ça d'un mec? Elle était bisexuelle. Notamment de Colette. Non. Surtout qu'on n'est pas obligé de s'allonger. Et à un moment donné, elle est devenue princesse roumaine de par son mariage, vous voyez. Princesse roumaine. Ça me dit quelque chose. On appelle là quelque chose. Ah non, mais elle avait une particule ensuite, vous voyez. Fogne. Oui, oui. Mais non, roumain, c'est pas fogne. En courtisane, elle avait une particule. Oui, elle avait la particule qu'elle avait chopée de son mari, vous voyez. Il n'y avait pas. Ah, deux petites particules. Elle avait des amants des deux sexes, vous voyez. Oh là là. Oui. Bisexuelle, on avait compris. Elle couchait avec Valtès de la Bigne ou Émilienne d'Alençon, vous voyez. Après, elle a rencontré une jeune américaine qui s'appelait Nathalie Clifford Barney, qui était une poétesse et romancière. Et là, bon, bah, elles ont fricoté toutes les deux. Elle-même, elle a fait elles danser. Elles ont fricoté ou fricoté? Ah, fricoté, pas tricoté. Donc ça veut dire qu'elle était très célèbre au moment des années 20. Ah oui, elle a même lancé un magazine féminin en 1904 qui s'appelait L'art d'être jolie. Coco, non. L'art d'être jolie. Anaïs Nin. Non, Anaïs Nin, non. Mais après, elle traînait avec tous les Américains, Henri Miller, tout après, on l'a appelée princesse Jika parce qu'elle avait effectivement épousé un prince, tout simplement. Georges Jika. Puis un jour, elle en a eu marre de tout ça. Elle s'est dit, je vais faire religieuse. Et elle est devenue, effectivement, spirituellement métamorphosée. Ah bah oui. Et physiquement, elle ne pouvait pas refermer ni recouvrir. Et elle est devenue, pour le coup, voilà, et c'est quand même beau comme histoire. Elle est devenue. Capsule à popo. Qu'est-ce que c'est que ça? Capsule à popo n'est pas devenue sœur Anne-Marie de la pénitence. Non, ah, bon ah non. 300 euros qui s'en vont et son nom c'était Liane de Pougy. Liane de Pougy, je vous en parle parce qu'il y a ces mémoires qui sortent. Liane de Pougy, 502 pages. Mémoire d'une grande horizontale. Eh bien, tant mieux, c'est une auditrice, ou plutôt un auditeur, qui va toucher notre chèque RTL grâce à Liane de Pougy. Pour Vincent Jacquard, qui habite... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non, je ris. Vous riez à quoi? Je ris à votre performance. Quelle performance? De comique. De comique, non. Ah oui. Je suis comique, monsieur Junio. Oui. Est-ce que j'ai une tête de comique? Ah oui. Oui. Est-ce que je fais cette émission pour être comique? Oui. Non, mais vous allez être un beau vieillard. C'est pour aller avec vous, cher Chantal. Voilà. Pour Vincent Jacquard, qui habite Prune, en Meurthe-et-Moselle, quel est l'autre nom du dronte de Maurice? Quoi? Avoir la question, s'il vous plaît. C'est la pisse à Dudule. Non, quel est l'autre nom du dronte de Maurice? Comment écrivez-vous dronte? Un champignon. Alors, dronte, D-R-O-N-T-E. Un champignon. Un champignon, non. C'est un végétal? Un végétal, non. Une maladie, non. Ah, un animal? C'est fabriqué par l'homme? C'est un animal, le dronte de Maurice. Ah, est-ce que Maurice est connu? Non, c'est un renard. Ah, bah écoutez, Maurice est une indication, en tout cas. Maurice, c'est par rapport à l'île Maurice? Pardon. C'est par rapport à l'île Maurice. C'est par rapport. C'est un dodo. C'est le dodo. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Expliquez ce que c'est le dodo. C'était le dodo. C'était le dodo avec un oiseau. Ça ressemble à un pélican, mais ils sont tous des pélicans. C'est gros, c'est un oiseau qui est disparu. C'est ça pourquoi? Parce qu'il était trop haut, il ne savait pas voler. Il s'est fait becter par tous les... C'était un volatile incapable de voler. On l'appelait le dronte de Maurice, le dodo. Et ça n'existe plus depuis 1700. Oui, c'est ça. Donc vous n'en avez jamais vu de dodo? Ah, moi je suis allé souvent à l'île Maurice, mais il y a des représentants. C'est une histoire très triste en fait, hein, parce que c'est un oiseau totalement disparu, le dodo. Il y a même une expression anglaise qui dit « dead as a dodo », qui veut dire... Si, je vous jure. Mort comme un dodo. Tout à fait mort. Dead as a dodo. Et ce dodo, c'est le symbole de l'île Maurice. Qui est allé à l'île Maurice connaît le dodo. Ah bah oui. C'est votre cas, j'imagine. Vous avez fait beaucoup de vols Paris-Maurice. Ah oui, j'aime bien. C'était bien l'île Maurice. Il était beau le dodo, hein. J'en vois là, reconstitué. Il avait, un bec comme un canard, mais un peu plus évasif. Ouais, ouais, gros, comme ça. Ouais. Ouais, regardez, regardez les lèvres de Chantal. Bah, pareil. Oh là là, c'est extrêmement violent. Ça se trouve, c'était pas un oiseau.
Comment si, ça bah, vous dites qu'il ne volait pas. Bah, c'est la vous qui avez décidé. Mais non, mais c'est la poule. Bah, c'est pour ça qu'il disparaît. Tout ce qui ne vole pas. Mais la poule, ça ne disparaît pas. Mais une non, bah, parce que les élèves. Mais ça ne vole pas. Alors, pourquoi le dodo, c'est peut-être pas parce qu'il ne vole pas qu'il a disparu. Il ne fuyait pas l'être humain. Il était gros. Il était presque cubique. Il était lent comme ça. Il avait du mal à marcher. Il n'arrivait pas à voler. Il avait besoin d'affection. Alors, il allait vers l'être humain. Et l'humain, et ben bang. Tu vois, c'est toujours comme ça qu'on a besoin d'affection. Il dit, mais regarde, gars, t'en prends plein la gueule. Il avait les pattes jaunes pour qu'on le voit au bord de la route. Et il y avait trois doigts à l'avant, un à l'arrière, voyez, qui se terminaient par de grands ongles noirs. Comme parce moi. Qu'il n'avait pas le temps d'aller chez la manucure. Et un bec crochu avec une tache bleue. Dis donc, il avait toutes les couleurs, le dodo. Il devait être très bon à manger, c'est pour ça qu'il a disparu. Bah, oui, ce qui est très étrange, c'est qu'ils n'ont pas pensé à le domestiquer. Et leur faire des copains, quoi. Ouais. Pourquoi on parle autant du dodo ? Parce que c'était une question que je vous ai posée et vous avez formidablement répondu à cette question. Bravo. En voici une autre, plus compliquée celle-là. Alors là, je dois avouer que c'est dans le magazine Ça m'intéresse que j'ai trouvé qu'il se vendait pour 6,95€ la boîte. Quelque chose d'absolument étonnant parce que normalement, ça ne s'achète pas pour ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte à 6,95€ qui devrait vous intéresser? C'est une question pour Florent Viel, qui habite Paris 20e. On achète une boîte et il y en a pour 6,50€, 80, là-dedans. Il y a des comprimés dedans? 6,95€ et il y a 14... On va dire 14. Oui, 14 choses dedans. Oui. Ça se consomme, ça se mange. Ah, ça se mange. 14 pas. Choses différentes ou 14 pareilles choses? À 14 pareilles. Des tranches de saumon fumé. C'est la première fois que je vois ça. C'est une boîte en carton. Que tu pourrais. Des tranches de saumon fumé qu'on pourrait prendre comme des Kleenex. Ah, ce serait génial. J'imagine. C'est un truc léger qu'il y a dedans. C'est un truc. Ah, c'est léger, oui. Est-ce que vous pensez qu'autour de la table. Et jusqu'alors, autant vous le dire, ça ne se vendait pas. En tout cas. Pas pour cet usage-là et pas dans une boîte. Ça sert à enlever la buée sur les lunettes. Non, allez, on va se donner. Ça se donnait, oui, on peut dire ça. On en avait un hasard, en fait. Ah oui, c'est-à-dire Des morpions. Vous achetiez autre chose, vous aviez ça. Une boîte d'un à morpions. Un cadeau qu'on nous faisait. Attendez, on achetait autre chose et on nous offrait ça. Des échantillons. Des échantillons, non. C'est quelque chose qui reste quand on achète autre chose. Exact. Et maintenant, ils ont décidé de le vendre. Une consigne. Et maintenant, ils ont décidé de le vendre. Exact. Voilà. Alors, consigne. On ne peut pas mieux dire que vous avez cerné la question. J'ai rien compris. Un sac en papier. Écoutez la dame là-bas. Avant, c'est quelque chose que avec lequel tu te retrouvais quand t'achetais autre chose. Okay. Et ils ont dû se rendre compte qu'ils pouvaient se faire du blé avec. Donc maintenant, ils le vendent carrément séparément. C'est utile. C'est utile pour ceux qui l'achètent. Mais on ne peut pas dire que ce soit très utile. On c'est décoratif. Décoratif, non. Mais ça a un rapport avec l'emballage de quelque chose. Ça a son utilité. Oui, normalement, ça a un rapport avec l'emballage. Mais pas là quand on le vend dans la boîte. Du bulldog. Pardon. Du bulldog. Qu'est-ce que vous appelez du bulldog? Papier bulle. Le cadeau. Oui, et donc du bulldog. Papier bulle. Le papier à cadeau. Et donc non, elle la confond. Ficelle pour entourer du le papier. Bol-duc. Du bolduc, oui. Só senta pra quem tá de bloque. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no Tuiuti como Maria Bond. Nossa, ligada em te conto. Sabe o Telson Rick? Caralho, ele é brabo. Dela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de bloque. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no Tuiuti como Maria Bond. Então joga tu senta na ponta da Glock. Rode com os cria de tiro e de avoc. Fala pras amigas que a menor do corre. E o amigo da Vig da Glock. Monsieur Jean-Marc
rappelle d'où vient cette expression et ce mot zoner un récit. Signé Bernard Chambard, chez Flammarion, c'était le livre du jour. Une question il a le droit de gagner 300 euros. Donnons-lui une montre. Monsieur Morbach écrit régulièrement. Il n'a jamais touché une bourse de la part de. Heureusement qu'il ne gagne pas une nuit d'hôtel. De notre station. Heureusement qu'il ne gagne pas une nuit d'hôtel quelque part parce que les gens n'iraient pas. Évidemment, Chantal. Je peux poser ma question pour monsieur. Vous en prie, cher monsieur Riquet. Monsieur Morbach, qui n'y est pour rien, qui habite au Canada et qui nous écoute sûrement, j'imagine, grâce à son ordinateur. Connaissez-vous monsieur Janssen, vous qui avez Harry Uusela, pilote de ligne finlandais, dont on a beaucoup parlé dans la presse depuis ce week-end. Sinon, la question, c'est que tout le monde sait que pour Jean-Pierre. Il s'est posé en catastrophe. Ah non, il ne s'est pas posé en catastrophe. Il ne s'est pas posé encore. Ah, il ne s'est pas posé. Il n'a pas décollé. Il pilotait des gros avions de ligne. Ah, à l'époque, oui, pilotait. Ah, mais là, il est retraité. Ah, il n'est pas retraité, mais c'est vrai que là, si on en parle, c'est pas parce qu'il est pilote de ligne. Ah, c'est parce que c'est l'anniversaire. Ce qui n'est pas facile. Si vous voulez le titre du Figaro, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez deux lignes. La première ligne, c'est Harry Uusela, le pilote de ligne finlandais, virgule. Et évidemment, c'est la suite qu'il faut trouver. Il a fait un vol historique. Non. Ok, ça a un rapport avec Ejia Folacul. Quoi? Qui fait? Ejia Fiacutle, le vol. C'est le premier qui a... Non, le volcan, là, qui avait... Ah non. C'est le premier qui a conduit le Concorde? Ah non. Ça concerne l'aviation? Ah non, pas du tout. Ah oui. Il a épousé quelqu'un de célèbre? Ah non plus. C'est le père de Reagan. Il a réussi un exploit sportif? Oui. Alors un exploit, c'est là où je vous dis dans tout, la lune. Tout est relatif, n'est-ce pas? En faisant rien. Mais pour nous, c'est un exploit, même si c'est pas tout à fait un exploit. Il a genre quel âge? Oh, écoutez, alors ça, j'ai pas son âge. Non, mais je veux dire, c'est pas un homme de 90 ans. Il est né en 62, vous voyez. Il a notre âge, on va dire. Ce dont vous parlez, ça s'est passé dans le passé ou c'est présent? Ah non, c'est ce week-end qu'il a réussi. C'est ce week-end qu'il a fait. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il avait 73 ans. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Non, vous êtes sur une autre émission, Chantal, intellectuellement. Là. Attention, c'est terrible, ça. Il est parti ailleurs. Non. Stéphane Grappelli, Chantal. Oh, il a fait un saut? Ah non, il n'a pas fait un saut, non. Est-ce que ça a un rapport avec... l'explore restant chez lui. Ah, il n'est pas resté chez lui. Non, là, il va rentrer chez lui. Il a fait une course, il a fait un tour de quelque chose. Ah, alors? Mais je ne sais pas, mais je cherche. Ah oui, ok. Il était en vélo? Il s'est mis à la F1. En bateau? Le Tour de France à pied? Non. À pied? On se rapproche, on brûle. En vélo? On brûle avec les pieds? Ah non, pas avec les pieds. En vélo? En vélo? Vous avez dit... En roller? Non. Le Tour de la Finlande? Il a fait le Tour de la Finlande. Le Tour d'Helsinki? Mais non. Il a fait le Tour de la question. Oh, les jeux de mots. La paix, Jean-Phi. La paix. Il a fait le Tour de la question, mais pas vous. En patin roulette? Mais non. Avec un petit appareil là. Mais non, mais avec un petit moteur. Mais non, mais c'est très simple. Cherchez pas de compliquer les choses. Excusez-moi. Il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde, Laurent. Plus simple que les pieds. Il a fait le tour du monde. Et donc, pourquoi on en parlait là? Parce que ça y est, il est rentré. Alors oui, et donc, mais pourquoi on parle de lui précisément? Il a battu le 80 jours. Il a battu le record. Non. En 80 jours. Mais il l'a fait à pied. Mais non. En bateau. Parce qu'il a décidé d'arrêter après le tour du monde. Mais parce qu'il s'est chopé le Covid dans chaque pays. Mais non. Il a fait le tour du monde en avion. Mais non, mais quel tour du monde il a fait là? Dans le sens, c'est un premier touriste spatial? Ah non, pas du tout. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parce qu'il avait les heures de vol. C'est tour en vélo. En sous-marin. C'est vous qui n'êtes pas étanche hein, ici. Il a fait le tour du monde en comment dirais-je, en avion électrique. Calculant d'être toujours dans le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il soit pilote sur le tour du monde? Il donne un indice, attention. Ça l'a aidé, mais qu'est-ce qui s'est passé, on va dire? Il était coincé dans un avion. Ces 3-4 derniers mois, vous voyez. Il y a eu la route d'Europe. Nous, on y... Non, il y a eu la c'est le Vendée Globe. Le Vendée Globe. Il a fait le tour des pays confinés. Il a fait... Il vient seulement d'arriver. Il vient d'arriver du Vendée Globe. C'est le dernier du Vendée Globe. Oh là là. Voilà pourquoi j'ai été obligé de vous dire que c'était à la fois un exploit et pas, parce qu'évidemment, l'exploit, c'est quand on finit premier, mais quand même faire le tour du monde, c'est pas dur. Si mal déjà. Bah, nous, on n'y serait pas arrivé. Bah, il est arrivé. Parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas essayé, c'est tout. Il est arrivé dernier du Vendée Globe, votre copain finlandais, pilote. Peut-être que vous le connaissez, non? Non, je ne connais pas les pilotes finlandais. Hein. J'ai du mal à connaître ce français. On est nombreux, vous savez. Harry Uusela, pilote de ligne finlandais, est le dernier du Vendée Globe à être arrivé ce week-end après 116 jours.
jours de course. Ça en fait des provisions. Ah ouais, hein. Il a combien de mois de retard? Il a dû en manger des crisprolles. Il est lyophilisé lui-même. Ben, mais c'est pas pareil que de conduire et de piloter un avion, que de piloter évidemment un bateau pour faire le Vendée Globe Challenge. Vous voyez, je vous dis ça parce qu'il ne faudrait pas que vous ayez des idées comme ça, vous voyez, monsieur Janssen. Oh non, j'ai peur de la mer. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, j'aime pas les océans. D'ailleurs, je ne peux pas me baigner là où j'ai pas pied. Je comprends tes angoisses. C'est vrai que ça fait peur quand on voit pas le fond. Ah bah moi, forcément, il y a les dents de la mer. Évidemment, Caroline, elle a une vanne sur un vagin à l'arrière. Pas du tout. Sur le tunnel, Annie Corby. Alors elle, c'est vas-y. Au contraire, elle aime bien qu'on aille dans le fond, mais bon. Oui, mais le problème, c'est tu peux avoir pied dans une eau trouble. Ça fout les jetons. Ça me dérange pas dans l'eau trouble. Là, tu peux te faire becter par un requin. C'est débroché. Quand t'as pied dans l'eau trouble, il n'y a pas de requin. Ah non, si, justement. Ah non, une grosse tortue. Si, les requins chassent très, très près du bord. Oui, absolument. Et dans des eaux troubles. C'est pilé. Ouais. Oui. Saumâtre. Et dans une piscine, ça va quand t'as pas pied. Oui, parce que je vois le fond. D'accord. Enfin, dans une piscine claire, l'espèce de la mer, je vois pas. J'ai l'impression qu'on le touche. Oh, une piscine pourrie. Ça a changé depuis Isabelle Adjani. Hein. J'ai touché le fond de la piscine dans mon petit pull marine, tout abîmé au cou. Ça devient un pigeon. Je pensais que ça allait être bien. Chantal, essayez-vous. J'ai touché le fond de la piscine. Mon petit pull bleu marine. Trop près du plongeoir, à mon avis. Une question pour Tom Orliaguet, qui habite Brive-la-Gaillarde. Saurez-vous retrouver le nom de celui qui fut le premier civil parisien fusillé pendant l'occupation allemande? Et d'ailleurs, la date le prouve, puisqu'il est mort le 23 décembre 1940 à Paris. Il faut dire que il a été mêlé involontairement à une bousculade au cours de laquelle un soldat allemand a été frappé. Il a refusé de dénoncer les coupables et il a été condamné à mort et exécuté au fort de Vincennes. Il avait 28 ans. Il est connu? Il est connu, oui, parce que il quand même. Il a une rue, parce que c'est le premier. Alors il a non seulement une rue, mais même une station de métro, pour tout vous dire. Corentin Cariou. Comment? Corentin Cariou. Alors, je sens que là, on est parti à la RATP. Corentin Selton. Écoutez, je vous demande pas, franchement, de savoir si vous prenez le métro. Je vous demande de connaître le nom, quand même, du premier civil français mort pendant l'occupation allemande. C'est pas rien, quand même. Étienne Marcel, ça fait bien. Ah non, non. Il y a même un poème. Il a inspiré Louis Aragon, vous voyez. Ah oui. Un poème qui a été écrit en son nom. Et c'est magnifique. Et le poème porte son nom? Oui. Le poème s'appelle comment? Ça s'appelle 20 ans après. Vous voyez, parce qu'Aragon a écrit ce poème. Visiblement 20 ans. En 60. Étoile? Monsieur Étoile? Monsieur Étoile, non, non. C'est pas Charles de Gaulle. Il y a Heureusement pour nous. Non, c'est pas Charles de Gaulle. Bravo Gérard, c'est drôle en tout cas. Non, j'ai pas mis un point d'interrogation, j'ai dit. C'est pas Charles de Gaulle. C'est Charles Noir. Non, mais c'est quand même formidable de retenir le nom du premier Français civil tué par l'occupation allemande, et surtout qu'en plus, il a refusé de dénoncer c'est quelqu'un. Un héros. J'ai une question. Est-ce qu'il a été fusillé à l'endroit où il y a la station de métro qui porte son nom? Non, mais il habitait pas loin. Ah oui. Bon, alors allons-y par le métro, si vous voulez. C'est Jules Trocadéro. Trocadéro. Jacques Bonsergent. Jacques Bonsergent. Oh, excellente réponse de Pablo Mira. Alors là, bravo Pablo. Je ne savais même pas qu'il y avait une station de... Moi non plus. Jacques Bonsergent. Sur quelle ligne? Dans la 12e. Ligne 5, c'est dans le 10e arrondissement, puisque lui, Jacques Bonsergent, résidait boulevard de Magenta. Et c'est donc, vous retiendrez son nom maintenant, vous saurez au moins qui est ce Jacques Bonsergent. Eh bien, c'est le premier civil français. Civil, un mec qui s'appelle Sergent, je ne peux pas ça un civil. Eh bien oui, mais c'est bizarre, effectivement, il avait un nom de militaire, mais il était civil. Maintenant, une question sur un chien pour Michael Anotel, qui habite Saint-Momelin. C'est dans le Nord. Vous connaissez Saint-Momelin? Saint-Momelin, non. Mais enfin, dans le Chantal. Non, pas Saint-Momelin, non. Pourtant, c'est dans le départ, dans le 59. Ah oui, c'est ça. C'est mais il y a beaucoup de choses qui finissent en 1 dans le Nord. Ah, Saint-Momelin? Oui, Saint-Momelin. Ah, le 1. Moi, je connais pas tous les bleds d'Île-de-France non plus. Pardon? Je connais pas tous les bleds d'Île-de-France non plus. Non, mais enfin, vous savez, dans le Nord, ils sont quand même. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Oui, on se connaît très solidaires. Oui, on se connaît bien. Ils aiment leur région.
Oui. Ils se connaissent tous. Vive Saint-Momelin. Ils sont très proches. Ils couchent tous ensemble. Oui, on est proches. Et après, ça donne des visages comme celui de Jean-Pierre. Vous faites des soirées maroilles tous les deux ou pas avec Chantal? On fait des petits frichetis de temps en temps. Des frichetis, oui. On mange du pot de chevelèche et tout. On vous mangez quoi? Du pot de chevelèche. C'est quoi? Alors, c'est des viandes, des restes de viande engelée, du lapin, tout ça. Et on mange ça avec des frites. Le reste de viande, ça donne envie. Angelée. Pour ajouter des larmes de temps en temps. Ça se mange quoi avec une salade et des frites. Et vous buvez quoi, Chantal, avec ça? Du white spirit. Pour nettoyer. C'est tous les mots. Comme pour sanguin. Vous invitez toutes les familles et tout. Mais souvent, on fait des trucs à la bonne franquette. Et ça, on invite des gens au dernier moment. Puis on mange tout ensemble. Dans l'heure, ils partagent même les repas. Ils font pas des grands repas. Non. Et c'est ce que j'aimerais, avant que je pose ma question, si je pouvais. Oui, monsieur, ils partagent même ce qu'ils n'ont pas. Oui, c'est vrai. Ils partagent quoi? C'est une expression. Mais avec trois trucs dans le frigo, tu fais un repas pour tout le monde. On va voir si vous êtes généreux. Tiens, justement. Oui, je suis généreux. Non, mais j'aimerais bien, si je peux me permettre de vous demander. Je connais votre cachet, donc vous avez intérêt à dire oui. Alors, Mme Latsou et M. Janssen, vous faisiez un petit concours de chansons d'une heure. Imaginez, comment ça s'appelle d'ailleurs une soirée comme ça que vous préparez? On chante toujours dans le Nord, à la fin. Comment vous dites? Une fricaine à Pierrot. Alors faites un petit frichetis, puis faites un concours de chansons du Nord. Et j'aimerais savoir jusqu'où ça va aller. Qui va s'arrêter le premier? Vous n'avez pas le droit de chanter la même chanson l'un et l'autre. On commence par Jean-Phi. Dorme un petit caca, un petit poucha, un gros roja. Tu me feras du chagrin, c'est une d'or point chkanma. Gabi la blonde, une fille aux yeux bleus, lui dit un jour, veux-tu de moi pour maîtresse? Touche tiki pis et tchasse biroute dans chma. Touche tiki pis et tchasse biroute dans chma. Toutes les femmes et putes, y'a que des hommes qui chantent, bon. 3-2 El bilou ta papa, fais plaisir à maman. 3-3 Pour vieux riches, il faut de l'argent, si tu veux sortir de ta rang. Travaille. 4-3 Mouquetné, moi je dis, il faut les donner à la Belgique. Elle est ni rond, ni carré, ni pointu. Elle est ovale comme le trou de marque. 5-5 Ah non, c'est bien. Sans le vouloir, je crois que j'ai trouvé leur créneau. Ça fait très chanson de Raoul de Gosvarvet. Pardon. Les chansons de Raoul de Gosvarvet. Écoutez, en tout cas, là, franchement, non, merci. Bravo. Et après, on s'étonne qu'on les confine le week-end. La valise. 1069 € dans la valise RTL. Ah oui, c'est bien hein, quand même. Et puis il y a 5 choses en plus. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. On va la confier la valise à M. Janssen. Et puis c'est Chantal, voilà, le duo Ch'ti va pouvoir ainsi continuer à procréer en quelque sorte. Chantal, donnez-moi un numéro entre 1 et 20. Le 5. Le 5. Alors, vous allez appeler Marie Lao, M. Janssen. Marie Lao. Ah oui, Marie Lao. Oh, Marie Lao. Il y a là-dessous et puis il y a là-haut. Elle habite même là-haut à Chassal, dans le Jura. Ça a sonné chez Mme Chassal. Ça va sonner. Bah, faut qu'il se lave. Hein. Ça sonne à Chassal. Normalement, il faut leur toilette eux-mêmes. Il est dans sa litière. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Ah non, on ne donne pas de numéro à l'antenne de Mme là-haut, parce qu'autrement, elle va avoir des tas de blagues, genre allô, là-haut. Non, bon, bref. Un autre numéro, Chantal. Le 6. Le 6. Alors, cette fois, on appelle Alexandre Megdoud. Monsieur Alexandre Megdoud habite Paris 9e. On reste à Paris. C'est rare quand on va à Paris, parce qu'on est à Neuilly. Nous, alors, oui. Paris 9e, ça sonne chez Alexandre Megdoud. Allô, vous êtes bien Alexandre Megdoud? Oui. Vous habitez Paris 9? Oui.
Ah, devinez pourquoi que je vous appelle, Alexandre McDoud. Non, c'est une blague. Mais non, pourquoi que je te fais une blague? Non, c'est pas une blague. C'est la réalité. C'est vraiment. Oui, c'est une blague en soi. Ah, non, j'étais en train d'écouter il y a 5 minutes en plus. Il y en a pas deux comme lui. Alors, qui est Alexandre? Qui dit c'est incroyable. Mais c'est qui? Mais disait quand même le nom. Comment il s'appelle, le petit couillon qui vous appelle? Le gars du Nord. Jean-Philippe Janssen. Bravo, mais c'était pas ça la question. Incroyable. Ben oui, c'est incroyable. D'autant plus incroyable qu'on est tellement content de vous avoir et qu'on voulait absolument vous demander est-ce que vous connaissez le contenu de la valise RTL. Alors, le contenu de la valise RTL. Attendez, je vais voir si c'est encore dans mon téléphone. Vous êtes où là exactement, Alexandre? Je suis chez moi. Ah bah très bien. Hallucinant cette histoire. C'est vraiment, vous êtes un peu mon quotidien, c'est rigolo. Oh, j'espère bien. Ça nous fait plaisir ce que vous nous dites là, dites donc, Alexandre. Maintenant, on veut les réponses, Alexandre. En plus, dans le 9e. Il essaye de gagner du temps pour vous. Oui, grave, il est en train de chercher. Il essaye de gagner du temps pour vous. Mais regarde sur son téléphone. Sinon, vous faites quoi comme métier? Il a raison. Vous faites quoi comme métier, Alexandre? Oh là là, plein de choses. En fait, je suis entraîneur de basketball. Entraîneur de basket. Oh, il doit être athlétique. Et j'ai travaillé très longtemps au Havre, dans la société Sidel. Pour la société Sidel. La société quoi? Sidel. Sidel. Sidel, je ne connaissais pas. Ah non, je ne connais pas. C'est Sidel. Ah, numéro 1, ancien numéro 1 mondial pour la fabrication des machines à fabriquer des bouteilles en plastique. Ah oui, ouais, des gros pollueurs. J'ai dû partir avant. Alors, vous avez retrouvé où on vous pose? Oui, il est encore en train de gagner. Attendez, attendez, attendez. Et alors, sinon, hier, j'ai mangé des asperges. Chez vous génial, cette histoire. Sinon, dans le 9e, on est voisins. À chaque fois, on dit, ça ne va jamais tomber sur moi. Et puis, là, comment vous pouvez faire pour regarder dans votre téléphone alors que vous nous parlez? Bah, tu mets sur un parleur, chérie. C'est cool. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est possible que ce soit 1069 euros? Oui. Alors, 1069 euros, ça c'est bien. Un bon d'achat de 300 euros chez Lidl. Oui. Un album hyper d'Hervé. Très bon chanteur, Hervé. Hervé, excellent chanteur. Une eau de parfum de ce scénariel par elle était là hier, on le sent encore le parfum. Voilà. Un canapé HCH. Un canapé HCH, oui. Et une gamme de produits Real Time. Vous avez gagné la valise RTL. Ça fait plaisir. À chaque fois, on se demande comment ça va être. Il ne faut jamais m'appeler. Comment je vais réagir? Est-ce que je vais essayer d'être aussi drôle que les grosses têtes? C'est pas les Césars. Hein. Vous n'avez pas remercié tout le monde. Non. Je remercie ma mère. Heureusement, c'est moins cher. C'est vrai. Non, mais j'ai l'impression. Vous savez, c'est un peu un aboutissement. Ah bah c'est la consécration. Moi je peux même dire c'est la consécration, Alexandre. Et puisque vous habitez le 9e arrondissement, Jean-Philippe qui habite le 9e aussi. Oui, je peux vous porter un cadeau moi-même. J'ai entendu ça. Mais il n'a pas accepté. Il peut vous apporter. J'ai entendu que vous habitiez à côté. Mais oui, oui, non. Il est boulevard Clichy, monsieur. Vous pouvez peut-être... Ah, bah, je suis juste à côté, monsieur Rochechouart. Hein. Ah, bah voilà, j'ai habité longtemps là-bas. Alors, vous allez, Jean-Phi, prendre le canapé H&H, les produits Resultime, le parfum d'Ariel, l'album d'Hervé. J'amène tout. Une carte cadeau de 300 euros, puis surtout le chèque de 1069 euros. Voilà. Et alors, le sommet de tout ce qu'on peut demander quand on écoute une grosse tête depuis des années, est-ce que ça serait possible d'avoir une montre RTL? Ouais, évidemment, vous voulez bien lui apporter une montre RTL? Oui, bien sûr. Bon, qu'il veut. Vous êtes à quel étage? Parce qu'il s'essouffle vite, Jean-Philippe. Ouais, c'est pas grave, au premier, mais c'est Bah ça va. On était fait pour se rencontrer, dis donc. Est-ce qu'on peut savoir, Laurent, comment vous savez que Jean-Philippe s'essouffle vite? Je l'ai vu chercher des appartements avec Stéphane Plaza. Ils n'en pouvaient plus alors qu'ils faisaient semblant de trouver un appartement qu'ils avaient déjà visité. J'adore le basket en plus. Vous avez une amie? Vous avez une copine? Je travaille aussi dans la fameuse équipe pour la fameuse équipe où joue Rudy Gobert. Ah, c'est pas vrai. Dans laquelle vous posez des questions régulièrement. Eh bien oui, Rudy Gobert, grand basketteur. C'est quelle équipe? Un de ceux qui gagnent le plus, le sportif le mieux payé au monde. Donc, qui met son maillot à l'envers. Qu'est-ce que vous dites, Isabelle? Qui met son maillot à l'envers. Ah oui, ça, Rudy Gobert, oui, bien sûr.
Oh non, c'est dommage. C'est dommage, vraiment, dans la dernière ligne droite. Voilà, valait mieux mourir du Covid. Bon bah Alexandre, la montre RTL, le contenu de la valise, et puis surtout c'est vous qui allez choisir le nouveau montant pour les prochains. Vous allez sentir bon avec le parfum d'arrière. Ah bah ça, vous allez voir, il décolle la peinture. Ça, ils vont pas revenir dans le 9e arrondissement. Je vais le donner à ma femme. Ah bah voilà. Ma mec d'où. Ah bah oui. Finalement, Jean-Phi va vous envoyer le tout. Ouais. Il va terminer au rez-de-chaussée tout ça. Dites Alexandre. Mais j'ai des copains qui sont de ta partie. Bon, bah, organise une soirée alors. Dites, vous me choisissez un nouveau montant pour les prochains candidats de la valise. Ben, 1100. Oui, généreux. Ouais, il est généreux. Oh, bah, oui, c'est pas son fric. Bah oui. Surtout 1100 euros. Ils vont vous faire du bien, vous, les 1069 euros? Ah ouais, c'est parfait, c'est parfait. On va en donner une partie au resto du cœur. Je me suis dit que c'est pas qu'on gagne un truc, c'est bien de faire un petit don. Eh ben, c'est gentil, ça. Ça donner au resto du cœur. Alors, vous la méritez. Ça peut motiver les gens qui écoutent. Notre valise, parfait, faites bien de le rappeler. En plus, Gérard Jugnot est un enfoiré qui est là. Ah bah oui, Junio, il est là aussi. Ah bah, qu'est-ce que je veux dire, j'ai les meilleurs de Paris. Ah bah merci. Oh, ça fait plaisir. Et voilà, par contre, j'étais un fan absolu de Benichou. Ah bah oui, nous aussi. Très bien, c'est qu'on peut le réécouter tous les week-ends dans les best-of. Bah évidemment, voilà. Exactement. Et c'est un vrai plaisir de réécouter le week-end pour entendre sa voix et... Voilà. Et comme ça, il ne nous quitte pas, Pierre. Effectivement, le samedi et le dimanche, les best-of des grosses têtes portent sur toutes les années passées. Ça nous permet de réécouter Pierre Ménichoux. Faites bien de le dire. Alexandre, vous êtes un parfait animateur. Ah, vous méritez vraiment d'avoir les Restos du cœur, Pierre Ménichoux, 1100 euros. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ajouter un appareil photo numérique dans la valise. Instantané, l'appareil photo numérique. Un peu comme il y avait à l'époque, vous savez, les Polaroid. Avec une imprimante connectée, vous sortez avec l'appareil, vous distribuez les photos dans la rue. Ah non, c'est un Realipix Square S qui permet de prendre une photo et de l'imprimer instantanément. Ah oui, c'est génial. L'appareil photo numérique et son imprimante dans la valise RTL. C'est Agfa Photo qui vous l'offre. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Gérard Jugnot, Pablo Mira, Chantal Latsou, Caroline Diamant, Isabelle Mergault et Jean-Phi Janssen. Une question culturelle, historique aussi pour José Coche qui habite Chaivette. Pourrez-vous retrouver le nom de celui qui fut un grand éditeur de presse écrite, producteur de films aussi d'origine italienne, qui s'était installé chez nous en France en 1932 et qui fut l'éditeur de Mode de Paris. Nous deux, c'est lui qui a créé Nous deux. Tarzan, Télépoche. C'est pas Del Duca ? Sino Del Duca. Oh. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Ah, il a une rue pas loin. Il s'appelait en fait Pacifico Del Duca et puis il a changé son prénom. Ici, quand il est arrivé en France, on l'a appelé Sino Del Duca. C'est un producteur de films aussi d'ailleurs, parce qu'il a produit des films qu'on connaît tous, comme par exemple Touché par Grisby ou encore La Châtelaine du Liban, Gervaise, un film de René Clément quand même, qui a marqué le cinéma français. Mais c'était surtout le créateur de Nous deux et des fameux romans photos d'amour. Ça, c'est plus les romans photos. Non, mais moi j'aimais bien parce que quand j'étais petit, quand j'allais chez la coiffeuse, je lisais les Nous deux. Voilà. Et un jour, moi j'ai été dans Nous deux. Comment ça? Bah oui, enfin, quand on a fait la pièce de théâtre avec Laurence Badi et Henri Guibé, pour faire la promotion, on avait fait un roman photo dans Nous deux. Ah oui, une petite histoire. C'est marrant les romans photos, hein, parce que tu bouges pas et puis ils mettent des bulles sur ta tête et puis ils te font dire n'importe quoi finalement. C'était rigolo. On avait tourné ça sur les bords de Marne, c'était très bucolique. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt dans Nous deux? Fasciné par cet esprit, à la fois extrêmement pervers et extrêmement talentueux. Je viens de réaliser que c'était une contre-pétrie. Mais je pensais que c'est pour ça que vous l'aviez fait. Ah ben non, mais je l'avais. C'est que fabriqué par les Italiens, je crois. Nous deux. Non, mais tout est. Puisqu'on est en cinéma, pouvez-vous me donner le nom de celui qui a interprété Hook au cinéma? Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse.
de Monsieur Mira, ça c'est parfait. Quoi, c'était le Hook, c'est Capitaine Crochet en fait. Ouais. C'est le nom en anglais du Capitaine Crochet. C'était le mec vert là qui. Non, c'est Hulk. Qui joue Capitaine Crochet, je crois. Vous voyez pas Robin Williams dans la métamorphose de. Ah non, Hook, c'est le Capitaine Crochet, c'est le nom anglais du Capitaine Crochet. Mais c'est Dustin Hoffman qui joue le Capitaine Crochet dans ce film. Robin Williams, il joue le rôle de Peter Pan. Oui. Et Dustin Hoffman joue le rôle du Capitaine Crochet. Oui, mais Laurent l'a dit, c'est qui qui a fait Hook. Et toi, t'as dit. Quelle était la question Robin exacte Williams. De Laurent bon, Robin Williams. Je peux poser une question subsidiaire. De toute façon, vous aviez les deux noms. Robin Williams jouait Peter Pan. Ouais. Ça, on est d'accord. Dustin Hoffman jouait. Julia Roberts jouait la fée. Le Capitaine Crochet. Et Julia Roberts jouait la fée. Ben voilà, comme ça, on a l'ensemble. Il y avait même Gwyneth Paltrow dans le film. C'est Spielberg. La revanche du Capitaine Crochet. Hook, c'est le Capitaine Crochet. Alors, Peter Pan, en anglais, c'est Peter Pan. Mais en revanche, Capitaine Crochet, c'est Hook. Voilà. Où était la subtilité, évidemment, de cette question. Et le film est bien, réalisé par Steven Spielberg. Ah. Je vous le confirme. Une autre question toute facile, hein, celle-là. Attention, ce sera pour Sandrine Loïa, qui habite Nanterre. Quel est le nom du fruit dont la variété la plus populaire s'appelle As, et dont le nom signifie trou du cul. Trou de balle, oui. Non. Testicule en espagnol. Allez, les figues. Figues, non. Laurent, comment vous dites un fruit de passion? Ça ressemble à des testicules? Alors oui, c'est parce que ça ressemble à des testicules. Alors les figues. Les prunons, Prunons, non. Laurent, des kiwis. Ça fait kiwi. Des maracujas. Écoutez, maintenant, ça me permet de voir à quoi ressemblent vos compagnons aux uns et aux autres. Vous dites. C'est pas le vous kiwi. Dites, c'est un fruit exotique. Ah, un fruit exotique. Et vous dites Laurent, le nom litchi. Litchi, non. Enfin, exotique. Ça s'écrit comment? Il y en a chez nous, hein. Attention. Hein. Le kiwi. Normalement, ça vient du Mexique. Les olives. Non, les avocats. Les avocats. Bonne réponse. Excusez-moi. Si je croise un mec avec des couilles qui ressemblent à des avocats, c'est pas l'éléphantiasis. Ah oui, c'est des grosses couilles. C'est énorme. Ah oui. Ça vient de là. Et moi, je préfère quand elles sont rondes. Le mot avocat provient de l'espagnol aguacate, qui est le mot dérivé d'aquatel, qui signifie testicule en espagnol. Par analogie à la forme de cette organe. Pardon. Mais si vous habillez dessus, vous avez du Guatemala. Voilà, c'est les problèmes. De quoi vous parlez, Chantal? Tiens, encore une question zoologique pour Karine Blancard. Qu'est-ce qui se passe par là? Il y a des considérations étonnantes. Il y a des belles conversations de Caroline Diamant et Isabelle Mergo. Elles se comparent leurs avocats respectifs. C'est vrai, on disait que c'était. Moi, je disais que quand tu entres allé pour me buscar les revistes, c'est au point qu'on ne voit même plus la testicule, quoi. Je veux dire. Non, n'exagère pas. Non, pas lui, c'est velu. C'est pas un testicule, c'est un oursin. Mais pourquoi vous interrogez là-dessus? Parce qu'on là, tout à l'heure, on parlait des avocats, c'est vous-même qui nous avez mis sur la piste. Et moi, je ne trouve pas qu'un avocat ressemble à un testicule, c'est tout. On a une testicule. On trouvait que c'était les kiwis qui ressemblaient plus à des testicules. Je ne trouve pas. Vous connaissez l'histoire de la douzaine d'œufs qui est dans un réfrigérateur. Et ils sont là, ils ont froid les œufs. Puis il y en a un qui dit à un autre œuf. Dis donc, tu ne trouves pas qu'il fait froid? Et l'autre, il dit: moi, non, je suis un kiwi, connard. C'est bien. Ça ne parle pas, les kiwis. Non. Les œufs non plus, monsieur Junio, à part votre crâne d'œuf, à vous qui est très loquace, évidemment. Camille Blancard, qui habite. Et paf! Il est pas bien, hein. Là, ça l'a pas mis bien. Je vois son visage. Je l'ai vanné, elle l'a cassé. Pour Karine Blancard, qui habite à Loigne, dans le Pas-de-Calais, pouvez-vous me dire ce que mange les pigards? Elle ne consigue pas entrer en nous. C'est un oiseau. Alors, c'est un volatile, le pigard. Oui. Il mange des asticots. Des avocats. Ça s'écrit P-Y-G-A-R-G-U-E. Il mange des frelons asiatiques. C'est incroyable. Incroyable, non, mais c'est vrai que le pigard ne mange que le très friand de blanquettes de veau. Pardon. Il est très friand de blanquettes de veau.
Non, il mange pas de la blanquette de veau, les mais pigards. Alors, Laurent, pourquoi vous voulez savoir ce qu'il parce mange? Parce que je pensais que vous saviez ce qu'était bah, un non, pigard. Bien sûr que non. Et qui dit où ah, ben, je vous demanderai même ce que représente le pigard. Un volatile? Ah oui, c'est un volatile. Des montagnes. Quand il est à dos, mais quand il est à tête blanche, c'est un aigle. C'est un aigle. C'est un aigle. Ah oui, c'est un genre d'aigle royal. C'est un aigle royal et il bouffe des mains. Alors, non. Ah non, ils bouffent pas des mains, non, non. Mais que les lapins. Ils se rongent les ongles. Ah, mais c'est pas celui qui jette des pierres sur le machin qu'il doit manger, là. Vous voyez un aigle se ronger les ongles quand il s'embête, alors. Oui, non, quand il est nerveux. Il est là, en haut de son rocher. Il se nourrit de gants de cuir au puits du fou. Ah non, non, non. C'est lui qui envoie des tortues sur la tête des... Ah, mais c'est du fou, il se nourrit de gants de cuir. J'ai cette image. On va demander à Philippe de Villiers, mais non, le pigargue à tête blanche. Il ne mange qu'une seule chose. Des intermittents du spectacle. Oui, il n'est pas le seul, hein, d'ailleurs. Des cadavres, des poissons, des poissons. Des poissons. Il ne fait que pêcher, okay, le pigargue. Ah, que des saumons. Il ne mange que du poisson. Ah, c'est Martin, je sais pas quoi, Martin pêcheur. Et pour sushi. C'est un aigle, hein, mais un aigle pêcheur, le pigargue. Ouais, okay. Donc. Et quand il a une tête blanche, le pigargue. Eh ben, il mange qu'une sorte de poisson blanc. Non, non. De quoi? Il mange que de la viande. Quoi est-il l'emblème, le pigard? Des États-Unis. Des États-Unis. Excellente réponse de Pablo Mira. Et comment vous savez tout ça, monsieur? Il a déjà pris le tout vous dire. Non, mais j'ai balancé une story sur Instagram il y a une semaine et je pensais mettre un aigle royal et on m'a dit non, justement, c'est un pigard. Pigargue. Et je me suis senti extrêmement con. C'est le symbole national des États-Unis. Ah bon? Ah oui, le... Mais on le retrouve où alors? Sur le Air Force One. Oui. Bah, excuse-moi, mais je suis pas là à filmer quand Air Force One. Est-ce qu'elle a une gueule de première dame? Mais même à la Maison Blanche, tout ça, tu l'as, la tête de l'aigle. Il y a voyage en soute, hein, Caro. Non. C'est du fret. La violence. La violence. Elle travaille. Voyage en soute. Okay. Mais vous êtes allé souvent aux États-Unis, Caroline. Beaucoup. Pour accompagner des chanteurs, j'imagine. Il y a des chanteurs dont vous êtes occupés qui sont passés par exemple à Carnegie Hall. J'ai eu la chance d'accompagner Eric Serra à l'avant-première d'un James Bond. On a été invité à partir en Concorde. Waouh. Et voilà, c'était avec Pierce Brosnan. Non, mais non. Wow. C'était quel James Bond? Quel James Bond? C'était le premier avec Pierce Brosnan. GoldenEye. C'était petit, le Concorde, hein. Ah oui, c'est les dents qui étaient arrivantes, mais qui pourraient être génial. 3h40 pour aller à New York. On a quitté Paris à 11h du matin. Et à 9h, heure new-yorkaise... On était à l'hôtel à Gonesse. Une question pour Michel Monnet, qui habite du Jean Mestras en Gironde. Pouvez-vous me retrouver le nom de cette petite flûte, petit flageolet, qui a donné naissance à une célèbre expression? Le pipeau. J'ai pas compris. Le pipeau, non. On cherche un flageolet ou une flûte ou un flageolet? Une flûte, un petit flageolet, mais un flageolet, c'est pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un flageolet, c'est un instrument avant. Enfin, ah je veux dire. Un flageolet, c'est un instrument avant. Prout, prout, prout. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Ah, il y a Chantal qui a fait tomber son stérilet. Faites attention, Chantal. Oui, enfin. Bah, il est parti tout seul. Ben oui, je vois bien. Il s'agit d'une flûte. Il s'agit d'une sorte de flûte, un petit flageolet. L'expression. Le manque de respect. Non mais Laurent, on s'en bat les couilles de ce que vous nous dites. Mais enfin, monsieur Junior. Oh là là, heureusement que je vous dis ça. Un peu de respect, Gérard. Excusez-moi. C'est depuis que vous l'avez appelé crâne d'œuf, si je puis me permettre. Je sens que c'est pas pareil. Il y a eu un point de bascule. Il y a eu un point de bascule. Oui, mais regardez, au niveau du menton, c'est plutôt un kiwi. C'est un jeu d'or. Du nazar, c'est-à-dire le sixième harmonique du fondamental, par exemple pour un sol 3. Si machin de 4 ans, on n'a pas besoin de ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais ça, je n'ose même plus dire que c'est un jeu d'or.
Bah pourtant, c'est très clair. C'est la famille des tuyaux à bouche de taille large. Ah, alors, c'était le cas. Desculpa, Maria, mas a lata vai chafar. Bon, dites-moi ma petite fille, là. C'était jouer le cadre de chaud, l'expression. Enfin, on a des enfants. Oui, la question est très bonne. Est-ce que c'est l'expression, c'est jouer de... Ah non, non. Alors, l'expression n'a rien à voir avec la musique, mais ça vient effectivement de ce jeu d'or que de ce petit frère qui s'appelle un... Quero que se foda hoje o pai vai revoar. Non. Quero que se foda hoje o pai vai revoar. Ah non, c'est pas bien, mais j'aurai la limite. On s'en sert, on va dire qu'on s'en sert quand il c'est une merveilleuse réponse. Voilà. Ce n'est pas la bonne, mais c'est franchement, pas, c'est pas... continuez dans cet effort-là et vous passerez en classe supérieure. C'est un mot plus rigolo. C'est plein de cul. C'est pas l'expression, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Est-ce que ce serait le mot patate? On a fait gros sur la patate. Non, non, ça, c'est pas une mesure. J'ai dit, on a fait gros sur la patate. Alors, c'est pas une mesure. Non, mais ça désigne quelque chose. C'est vraiment le synonyme de moult. Mais c'est un mot dans une expression. Une petite flûte, un flageolet, un orgue, un jeu d'orgue. C'est un mot composé. Le mot est tout seul, mais en revanche, quand on le met dans une expression, il est composé. On met un verbe devant. Fifre rien. Fifre rien, non. Un pêle-mêle. Il vous reste 30 secondes. Vous avez dit quoi, vous? Un pêle-mêle. Pêle-mêle, non. Non, ça veut dire beaucoup, ça veut dire plein, ça veut dire... C'est en lien avec la parole, le fait de beaucoup parler? Ah non, pas beaucoup parler, non. Un trop moult. Non, une flûte, un flageolet. Aïe, ça vient du 15e siècle, hein, ce petit instrument, ce petit flageolet. Il y a que Chantal qui peut pas la lire. C'est la lire, non, non. Laurent, dites la phrase avec à la place. Par exemple, tenez, je m'imaginois être dans mon lit, c'est du vieux François. Je m'imaginois être dans mon lit où je me songeois que mon carrosse est toi embourbé dans une ornière. Et que je fouettoie mes chevaux. À foison, non. C'est pas mal. À plein. À brûle pourpoint. Aïe. La petite flûte, le flageolet en question. À pourpoint. Non, c'est le larigot. Tire larigot. Et ça a donné l'expression à tire larigot. 300 euros qui s'en vont pour cette expression française qui n'a pas été retrouvée. Qui est qui? Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Direction Nice, où nous attend Héloïse Ballant. Bonjour Héloïse. Elle est toute timide. Vous avez 27 ans, Héloïse. Oh, tu te gênes. Bon week-end. Oui, ça va, voilà, j'ai repris. C'est un week-end confiné à Nice, évidemment, Héloïse. Quoi dans la vie? Je suis professeur des écoles. Autant dire, Héloïse. Et j'espère que grâce à nous, vous allez gagner une trottinette. Vous pourrez aller à l'école en trottinette. Comme ça, vous aurez le même moyen de locomotion que vos élèves. Une trottinette électrique de la marque Zone 25. La Z7, on va vous offrir. Attention, hein, c'est pas n'importe quelle trottinette, elle vaut 749 euros. Oh là là, quand même. Mais c'est une trottinette. Ah bah oui, c'est un moteur ou pas? Elle est électrique. Ah bah oui. Il y a des pédales. Elle est maniable, elle est confortable, elle vous suivra dans tous vos déplacements. Bah oui. Ah bon, vaut mieux. Vaut mieux dessus. Vous pouvez la tenir en laisse. Héloïse, avez-vous un message à faire passer sur l'antenne de RTL? Profitez-en. Alors j'ai une amie qui a déjà joué avec vous et qui est fan de vous. Alors je l'embrasse. Comment elle s'appelle, votre amie? Marie. Eh bien, on embrasse Marie. Bonjour, maintenant, Marie. C'est à vous de jouer, Héloïse, en pariant sur la bonne grosse tête, celle qui est capable de me dire qui est qui fait quoi. D'accord. Donc, je vais miser sur
Gérard Jugnot. Oh là là. Ben c'est vrai qu'il est fort. Mais Gérard. Non, pas sur les noms propres. Ah si, 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 quand même, il a une bonne mémoire, Gérard. Et on va commencer d'abord par Monsieur Pablo Mira. Allez. Monsieur Mira, pouvez-vous me dire qui est Perrine Laffont? Une femme politique, c'est une représentante politique. Oui, qui a fait quoi? De La République En Marche. Oui, qui a fait quoi? Ça revient. Qui a... proposer de légaliser le cannabis. Ça n'a rien à voir avec ça, car elle est plutôt en ski qu'en marche. C'est notre championne du monde de ski. Ça fait la troisième fois qu'elle est championne du monde de ski de bosse, Perrine Laffont. À 22 ans, c'est notre championne. Non, je le savais. Pour y retenir son nom, quand même. Vous êtes éliminé, monsieur Mira. Gérard Jugnot. Pouvez-vous me dire qui est Bachar el-Assad? Non, mais ça c'est donné. Oui, c'est un ancien. C'est Bachar qu'on parle de bosse. Ah, c'est pas un ancien. Non, non. C'est un nouveau, pas nouveau. Pas nouveau. C'est le dirigeant de, d'un pays arabe. Oui. Mais, oui, lequel. Mais lequel? L'Égypte. C'est ce qu'on appelle de la solitude. Un bienvenue au club. Je vais être obligé de vous éliminer, monsieur Jugnot. Il a le Covid avec son épouse. Ah, bah tant mieux. Ils viennent d'être contaminés, Bachar el-Assad et son épouse. Et c'était le président de. Et c'est le président syrien. Syrie. J'étais en train de vous faire la Syrie, vous voyez. Ah, pour moi, c'était la tectonique que vous étiez en train de faire. C'est bizarre. En mine, vous êtes vraiment pas très bon. Vous êtes éliminé, Gérard. Bon, écoutez, vous n'avez pas tout perdu, Héloïse. Vous pouvez passer maintenant à 200 euros. Je vous donne l'ordre et le nom des grosses têtes qui vous restent. Je vais maintenant interroger Chantal Latsou, je vais interroger Isabelle Mergault, puis Caroline Diamant, puis Jean-Philippe Janssen. D'accord, je vais prendre Caroline Diamant. C'est pas bête, mais en même temps, moi, j'aurais plutôt pris Jean-Philippe. Jean-Philippe qui est en bout de course. Parce que comme ça, là, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais éliminé tous les autres jusqu'à Jean-Philippe et poum, l'affaire était jouée. Mais vous avez choisi Caroline... Commençons par éliminer Chantal Latsou. Cher Chantal, pouvez-vous me dire combien font 2 plus 2 qui est Jean-Christophe Granger? Jean-Christophe... Alors, vous posez des questions. Alors, Jean-Christophe Granger est un grand joueur de tennis. Ah oui, qui écrit Les Rivières Pourpres quand il a le temps. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui, d'accord. Un auteur, moi, je le savais. Vous n'êtes pas prête de jouer dans sa série Les Rivières Pourpres ce soir sur France 2 à 21h. Jean-Christophe Granger, auteur de best-seller, de Mais suspense. Bien sûr, pourquoi j'ai fait...